Je crois que personne ne sait vraiment ce qui va arriver aux jours qui viennent. On sait que normalement, oui, ça devrait stopper, oui. Mais je ne pense pas vraiment que c'est quelque chose qui pourra stopper aussi facilement. Il y a beaucoup de gens de l'autre côté qui ont déjà payé pour cette traversée. Il y a des gens qui essayent, qui se font refouler, mais qui réessayent. C'est très dur d'arrêter tout ce qui se passe là, maintenant, aux alentours. C'est complètement inhumain. Tu peux pas, c'est des êtres humains. Et c'est pas des gens qui ont commis des crimes, c'est pas des gens, c'est des gens qui recherchent en fait, on va dire un futur meilleur ou une sécurité, parce que bon, la plupart on parle des Syriens notamment, qui sont dans un pays qui est bombardé tous les jours. Donc c'est clair qu'ils veulent sauver leurs enfants, ils veulent un meilleur futur. Donc c'est inhumain pour moi ce qui se passe. Les enfermer dans les camps comme ça se passe, les renvoyer en Turquie comme ils veulent, sinon c'est inhumain. Where is the human rights? No human rights here.